Totalement good. Série God, c'est ton jour. Série San, il y en a qui le soutiennent dans le chat. On a du monde. Je vote pour Lailat légal. Mais bon, moi également, hein, j'aimerais bien que Lailat soit légal. Mais bon, à Bordeaux, vraisemblablement, je suis le seul à l'admirer. Puisque. Après, c'est parce que je joue Snake aussi. Mais voilà, je comprends pas quand même que Lailat ne soit pas légal. Alors que Yoshi est légal. Alors que, genre, c'est genre. Ça ne tenait qu'à moi. Enfin bon, bref, on est parti pour le match. On est parti pour le match. Enfin, il y a une bonne petite phase d'avantage de la part du Serissan. Et puis ça gratte pas mal de pourcents. On a failli se prendre ce merde de la part du Mario. Et ça aurait pu se terminer là-dessus. Ça enfin, très très bien. Mais voilà, Mario également aussi. Il gratte très très bien. Je pense que sur les une seule petite phase de combo. Et je pense qu'on rattrapera les pourcents assez aisément. Surtout avec Mario. Si tu as envie, mon cher, si t'as envie de cast. Il vient régulièrement. Oh, on avait failli avoir un petit truc un peu stylé, un petit upper forwarder. C'était trou. Malheureusement, on a pas eu le sweet spot du côté d'Astral. Non. Ok, c'était vachement bien ça. Non, il sait pas faire sa ladder. Hein. Je sais que t'as commencé à dire, oh, mais il va faire un donner. Non, pas du tout. Il aurait dû faire un donner. Ouais, ouais, mais. Il a il a préféré faire un upper de plus. Voilà, on ne sait jamais. Je sais pas pourquoi il fait ça par moment. Mais bon, ouais. Bah, c'est aussi, il a essayé de cacher un petit peu la zone rouge, là, le jump. Le petit jump en désavantage, c'était pas bête hein, parce qu'il a juste son air et il s'est replacé immédiatement. Il s'est retrouvé sur le ledge, sur le corner. C'est dommage parce qu'on avait une bonne avance du coup de Serissan, mais malheureusement on n'arrive pas à prendre la place. C'est un petit peu le problème. Là, Mario il revient facilement dans la game. Après, Mario Astral, si. Même si Mario il fait pas même si Mario il fait passer ladder, il va avoir également du mal à faire. Bon, on n'a pas de rage hein, du côté de Mario. Oh, on se fait cap. Putain, on a paniqué, disons, de ce côté. Normalement, quand tu te fais side B par Mario, faut juste pas paniquer, tu reviens tranquille. Après, avec. Il avait déjà grillé un saut. En tout cas, ouais, s'il lui restait un jump, je pense qu'il y avait moyen. Alors, c'est certes que certes, la récolte de Ridley, c'est très linéaire, parce qu'il faut choisir 4 directions. Mais, ouais, c'est pas en vrai. Attention, oh, on... mais faut pas. Pourquoi il est pas parti pour un dominer là? Je comprends vraiment pas. En vrai, là, le spike est intéressant. Je suis pas sûr, écoute, tu connais mieux son perso que moi, je dirais, mais bon, bref, il va falloir apprendre à l'adder. J'aime trop les spikes aussi. C'est vrai quoi. C'est vrai que c'est stylé, le petit bruit, c'est satisfaisant, c'est. Je comprends cette réaction, mais bon. Oh, attends, il a créé un saut. Ok. Oh, c'est bon, de la part d'Astral là, ça c'était stylé, c'est bien. Et on a. Ah, j'avais une face de ladder là qui. J'espère. Petit tour d'arrière derrière, un petit chômage, on n'est pas dans le cas. Oh voilà. Quoi? C'était absolument pas trop. T'as le t-shirt top là en mode hop. Bah c'était absolument pas trop, mais c'était bien vu de la part d'Astral hein, parce qu'on aime bien Stall à ce niveau là de ledge, on aime bien. On a juste fait un jump, on a même pas fait une zone rouge parce qu'on n'est pas parti sur une ligne. Pardon, on est juste resté sur place, on a fait un jump sur place et bah du coup Astral. Je sais pas si t'as vu un petit peu la phase, mais ils arrêtaient pas de s'échanger des petits débuts de combo et ils mettaient pas le combo en entier. Juste c'était des petits trades de merde. Et là ouais bah là pour là, le coup là c'était un gros trade. En plus je pense que la DI est un peu mauvaise hein, parce que je pense que si on DI, on était très près du stage, je pense que si on avait DI vraiment full on aurait peut-être eu la possibilité de tech. Ouais. Bref, après je dis ça, mais je n'en sais rien, ma foi. Non, pas 1-0 pour Serissan, pardon, 1-0 pour Astral. C'est dommage parce qu'on avait une bonne avance au début et après on s'est fait juste remonter vénère. On s'est fait deux stocks un petit peu méchamment, un petit peu bêtement d'ailleurs. Et on s'est fait juste cap et on s'est fait spike. Un peu dommage. Ouais, est-ce que Serissan. C'est deux. On est. Oh bah, le 6, c'est Astral qui est dominé. Ouais, oui, surtout que Astral était même pas sur cette table. Serissan était même pas sur cette table parce que. Ça aurait dû être polar là à la base, mais oui, voilà, c'est la personne qui a réussi à faire un petit upset et peut-être qu'il pourra en faire un deuxième. Hein. Ah, bah après, on est sur Kalos, ça doit être plutôt confortable en vrai. Bah, pour c'est... Ridley, hein. Bah, c'est beaucoup mieux pour Ridley, ouais, puisque on n'a pas les comment les plateformes sont très éloignées, donc c'est un petit peu. On n'a pas les ladders pour Mario, ouais. Et en plus, on peut avoir le ladder upper spike, mais c'est un peu plus compliqué avec la plateforme qui peut parfois gêner. Et puis surtout, juste le fait que ce soit un grand terrain, c'est très pratique pour Ridley et c'est très pratique pour les super Ridley en général. Hein. C'est vrai qu'on dit que c'est léger, mais ça reste quand même un heavy, hein. C'est pas un super heavy, mais ça reste un heavy. C'est assez intéressant. Pourquoi il devrait plus jouer la range avec ses coups La range, je veux dire, au Pojo, mais vraiment, on joue à la range, quoi. Bah, genre, il doit jouer la distance avec Radio, ouais, avec le temps, ouais, oui, mais après, c'est le but de Ridley, mais pour couper les match-up, mais oui, encore plus pour Mario, tu le sais bien de dire, parce que, bon, on a 4 jump, ça. Mais tu viens de le dire, parce que. Ouais, voilà, Mario, c'est son seul défaut, et normalement, il est censé perdre toutes les épices, et Ridley, c'est un espèce d'épice. On a pété ouais, un câble. Ouais, il y a eu un gros F-smash. C'était le pète au casque des Eevee, c'est classique. Oh là 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 là.
Encore une fois, mais peut-être Serisan, on s'endort un petit peu à l'edge, hein, ça fait quand même plusieurs fois qu'on se prend de la stop comme ça, hein, va falloir juste. Oui, je peux faire une option hein, maintenant. Hein, faut se spécifier parce que là. Regarde, il a fait un full in sur le nerf et du coup, bah, il arrive face à Merlot. Mais lui met la sauce. What the fuck. Oui, c'était upbeat. Bah, c'était upbeat dans le sens, alors je m'attendais pas à ce que ça touche. Bon, bien vu, je pense que c'était peut-être fait exprès pour mieux faire la DI. C'est rien. Peut-être une vasier ou on sait rien, peut-être que ça tue totalement. Attends, encore une fois. Non. Oh, oh là là, mais c'est encore dormi de petite souris, mais c'est tellement dommage. Ça fait deux fois. Ah, la DI de Spike, hein. La DI de canette de shampoing. Il a tellement delay en plus. Mais en fait, il attendait juste une air dodge. Il s'appelait à ce air dodge neutre et bah, il l'a même pas fait. Donc bah, il a fait, bah écoute, si tu t'es endormi, moi je vais te réveiller. Bam, bonne grosse claque. Bah écoute, ça marche.